et la vainqueuse est Anne C pour l'Australie. Peut-être un mot pour dire que c'est le travail d'une équipe, etc. Non, c'est bon. Ok, c'est bon. J'en avais aucun doute. Ok, on aura donc pas un ballon ce week-end, super. Alors, il y a actuellement 4 trophées. Donc, le trophée du plus bel essai, le plus beau plaquage, la meilleure chose du tournoi et l'impact player. Donc ça, c'est les 4 catégories pour lesquelles on vote après un tournoi. Donc qui vote? Il y a le staff et les joueuses. On a des petits papiers où chacun note pour la catégorie la personne que l'on pense, plus le match, par exemple pour l'essai, etc. Et après, donc, le staff compte. Et après, ça permet de savoir pour qui est la gagnante de chaque catégorie. La meilleure joueuse, c'est attribuée à... Camille Grassino. Ouais. L'objectif, c'est d'avoir un petit peu un héritage en fait de génération en génération, qui est ce genre de choses qui reste, qui est important dans la structuration d'un projet aussi, et qui est une petite passation aussi de choses entre générations qui sont passées par ce projet-là. C'est très détente, voilà, on se balance des vannes, c'est passer un petit bout de temps ensemble sur ça. Donc, ça permet de clôturer cette compétition-là pour basculer sur une autre. Non. Moi, je suis un rock, je ne bougerai pas. Un, deux, trois. Oh, yeah. Les talons collés. Un tournoi de rugby à 7, c'est très intensif, c'est rythmé, c'est usant, et quand on bascule comme ça d'un tournoi à l'autre, la récupération fait partie intégrante de la semaine entre deux tournois. Le corps, on va essayer de le soigner un maximum. On a une piscine à disposition, on a des bains froids. C'est un peu la course contre la montre, il ne faut vraiment pas perdre de temps là-dessus et rester sérieux du début jusqu'à la fin. C'est pas une vie, ça. Jean-Paul Gaultier. Voilà. Rio, forcément. Bien sûr. Ça rappelle la France. Le but, c'est vraiment de mettre les organismes au repos et de les recharger autant sur le plan physique que sur le plan mental, avec une reprise très progressive des activités et du rugby. Ouais, ça fait un max de bien, toujours. Moi, surtout, j'ai les ischios qui sont toujours pris après les tournois et les vagues. Ça fait trop du bien de les masser, les libérer, de les détendre. Prêt à reprendre l'entraînement. C'est quoi demain, l'entraînement? Écoute, il faut. Thank you very much. Bye. Merci beaucoup. Allez, on va créer maintenant. Je sais pas, je vais marquer déjà notre pays et la France. Hein. Je vois que tout le monde met USA et tout ça. Je vais essayer de dessiner la Tour Eiffel. Je vous promets rien. Je suis pas forcément un grand artiste, mais. On va faire notre mieux. Eiffel Tower. Voilà. On n'a plus que deux entraînements, c'est plutôt des ajustements de certains petits détails, donc techniques ou même stratégique, et du coup c'est plus le cerveau qui va travailler pendant cette période là que le corps, on va dire. Il
Il y a aussi beaucoup d'enthousiasme, de bonne humeur, de légèreté, on pourrait penser par moment. Et sur le terrain, il y a des principes et une rigueur qu'il faut avoir à tout moment si on veut arriver à la performance et au niveau. Et on se rend vraiment compte que c'est des joueurs et des athlètes de haut niveau qui sont hyper sérieux dans leur préparation, parce que le côté physiologique, il est hyper important aussi à 7. On ne peut pas se gérer si on a des pépins physiques, si on n'est pas à 100%, on peut pas rentrer sur le terrain. Donc les joueurs sont hyper pro là-dessus aussi, et du coup j'ai pu appréhender tout ça au final de l'intérieur. He comes from Rio. It's Mohamed Salah. T'as pas vu ou quoi? Il pense que t'es Ronaldinho. Ronaldinho. Are you Brazilian? Are you Brazilian? Yeah. Have you met Neymar before? Des garçons et des filles. On sent vraiment qu'on n'est qu'une équipe de France et qu'on a vraiment envie de s'encourager au maximum les uns les autres. Et d'avoir ce soutien-là aussi au quotidien, de pouvoir échanger, c'est toujours, ça nous motive les uns les autres, je pense, à aller chercher la performance. On s'entraîne, on passe médaille d'or, on mange, on passe médaille d'or. Bon. Si vous n'avez pas ça en vous, ça ne marchera pas. Ça fait transpirer tout ça, c'est tout. Le respect, l'amitié, très bien, l'excellence. On est le meilleur soi-même. On pense à ça. Si on ne pense pas à ça, on n'y arrivera pas. Par contre, je sais que vous y êtes. Quasi. On y va. Vous cochez la case. Vous voulez cocher la case? Ça vous appartient. Moi, j'ai envie de la cocher. Il y a une école française de Los Angeles qui avait très envie de vous passer un message. Vous avez pu voir en rentrant dans la salle qu'il y avait des dessins sur les murs et plein de dessins par terre. Donc on va faire une photo pour eux. Oh, salut. Salut Tristan. Merci, bravo à tous. Allez, vous regardez. La récup comme d'hab, ça pique, on fait le froid, il y a possibilité de faire un bon repas, il y a les smoothies, vous pouvez aller à l'espace repas qui est sur l'air tennis. Après les matelas, on les met ici, on se détend, on peut redormir tranquille, on peut claquer sa petite sieste. Tu fais la récup, ouais, tu m'en mets, je te sois avec Mimi, je te donne un maintien. Ok, ça va. Là, on a pris nos responsabilités. Là, les grands garçons, tous.
tous parce que c'est tapé un putain de match à 6. Je vous dis qu'il faut se sortir. Donc c'est très bien, là on a grandi. On a grandi parce que c'était pas facile. Hein. On a respecté à la perfection. Tu sais quand on parle de concentration les gars. Ouais c'est ça. La concentration sur 14 minutes c'est ça. Maintenant, là demain on va chercher une grosse perf. On va avoir deux gros matchs à faire. Donc on va bien se reposer. On va bien analyser avec LG. On va bien se reposer demain, on arrive lancé comme des canons. Vamos, les gars, vamos, on est en demi. Vamos, fou là. J'ai dit. Comme des hommes, on est allé se chercher cette demi. C'est super que David et moi soient à fond, que Max, que tous les mecs, on soit à fond derrière vous, que Claire soit à fond derrière vous. Si vous, vous ne faites pas l'effort sur le terrain de vous mettre dans cette situation-là, d'avoir le comportement adéquat, ça ne sert à rien. Et si actuellement, on essaye de se taire un maximum, c'est pour vous laisser la place de faire ça. Vous l'avez la place, vous la prenez. Peu importe qu'on soit à 11, à 8, à 7, à 6, vous la prenez. Si vous ne la prenez pas, ce soir, ça sera comme d'habitude. J'aimerais que les deux matchs du jour soient un acte fondateur. Il est des moments où il faut se faire violence et aller là où on n'a pas envie d'aller. Il est des moments où il faut regarder les choses en face. Il est des moments où il faut regarder ses petites peurs en face. Peut-être que c'est la plus grande chance qu'on a eue dans cette saison. Par contre, il faut la regarder bien en face. Se connaissent par cœur, s'apprécient, aiment passer du temps ensemble, de faire le tour du monde toute l'année,
voyager ensemble, passer 2-3 semaines dans les hôtels, dans les déplacements ensemble, évidemment ça soude, ça crée des liens. Donc cet esprit d'équipe, il est hyper important, il est primordial et je pense qu'il est vraiment bien véhiculé dans votre groupe. Voilà le show là ! C'est faux. Rebadj, Zegdar, Parez, Riva, Pasquet, Joseph. Ok les gars ? Joueur entrant, Timo, Fornet, Iragua, Dupont, Grand Didier. On ne pense qu'au changement de rythme. D'accord ? Il faut qu'on soit un peu meilleur sur les coups d'envoi aussi. Sur nos coups d'envoi. On va chercher cette gagne, on va chercher cette médaille avec beaucoup de détermination et beaucoup de contenu. Je veux du contenu. Si vous mettez du contenu sur la table, ça se passera bien. Ok ? Donc on met tout bout à bout. Il n'y a que de la bonne pression, on va se régaler. Allez les gars, il y a des questions ? Allez, la médaille ! Let's go ! Allez, les gars, allez ! On met nos lancements, on met nos principes, on met nos coups d'envoi. On va être parfait. 14 minutes, notre histoire. On va se chercher, on est des hommes, c'est pas eux qui vont nous laisser, c'est à nous. C'est à nous de faire le spectacle. Donner, ce soir on fait le spectacle. On va rien donner. Donc on s'en va comme des chiens, on est concentré, on fait un bonnet chaud, on met une putain de com, on est solide sur les breakdowns, ok ? Let's go. Allez, let's go les gars. L'histoire. La fatigue ça existe même. La sauce. 1, 2, 3
franchement, quand l'arbitre il siffle la fin, là, c'est... tu réalises quoi. Tu réalises que tu viens de gagner le deuxième tournoi pour France 7. C'est des émotions incroyables, incroyables. Et tu penses à tout le travail qui a été accompli. Oh, 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 oh.